Yo tout le monde les gens, c'est GhostKeeper01, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Et non, pas Call of Duty Ghost, j'allais dire. Donc on est sur mon bureau pour faire mon top 10 abonnés, bon, donc le troisième. Donc je tiens déjà à m'excuser déjà pour pour mon commentaire sur ce top 10 là, parce que on va dire que hier j'étais en soirée, et puis voilà, donc hier j'étais vraiment pas bien. Et donc là maintenant, on va dire le lendemain, déjà parce que là on est 10h27, vous pouvez voir là tout en bas à droite le jour, parce que je veux bien que je vous montre qu'on est bien dimanche 14, parce que sinon si je le fais en avance ça va pas compter, ça va pas vraiment être le vrai top 10 on va dire de la semaine. Donc voilà, donc il est bien dimanche, voilà, il est 10h27, donc je le fais le matin parce que cet après-midi je pourrais pas le faire, donc voilà. Et donc voilà, à 10h du matin, après la veille que j'étais complètement mort, c'est pas vrai ce que je veux dire, on va dire je marchais plus vraiment très très droit, on va dire, parce que je tenais plus beaucoup vraiment debout, voilà, j'étais à moitié moi, moitié plus moi, voilà. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails et tout, donc je vais essayer de faire ce commentaire assez correctement, on va dire, sans faire de la merde, sans dire n'importe quoi et tout. Je voulais juste aussi, avant de commencer, préciser aussi voilà, à propos de ce live stream, on va dire, donc à la base c'était un test, c'était un essai que j'avais fait sur ma chaîne, enfin que j'avais streamé au départ en non répertorié pendant 1 heure pour essayer de calibrer le son, l'audio et le gameplay et tout pour avoir une bonne qualité. Genre j'avais mis du 720p. Mais j'avais mis aussi, je crois que j'avais mis 2 mégas d'upload pour le stream. Du coup, bah ça faisait pas... C'était pas très très... Enfin, c'était un peu pas très net, on va dire, le stream. Mais bon, si je vous mets du 5 mégas d'upload, on va dire qu'il va plus me rester grand-chose en connexion. Et donc, en fait, il faut essayer de gérer entre l'upload que je vais mettre... c'est-à-dire le nombre de mégas que je vais mettre pour l'upload pour que vous ayez une bonne qualité, et le nombre de mégas que j'aurai pour jouer pour essayer de vous sortir le plus grand nombre de gameplay possible, enfin les meilleurs gameplay possibles. Donc c'est pas facile à gérer, pour le moment c'est mes premiers, donc une fois que j'aurai trouvé le truc parfait et tout, bah ce sera nickel. Et donc voilà, donc je voulais vous dire aussi, donc du coup là, 1 heure qui sert à rien, parce qu'au départ je savais même pas que ce truc là, enfin ce stream là allait s'upload directement sur ma chaîne. Je pensais que quand j'allais j'allais faire le stream et tout, ça, pour les gens qui allaient le regarder, bah ils allaient le voir le matin et tout. Puis une fois que j'avais terminé, plus personne pouvait regarder. Enfin, ça allait pas le mettre en upload sur ma chaîne. Bah si, en fait, quand je suis revenu de mon foot le soir, à 6h, je sais pas, ou 7h, je sais plus, j'ai regardé un peu ma chaîne et je vois, oh, pourquoi il y a une vidéo en plus avec son imagette et tout, là, sans vignette. Et je me disais, mais c'est pas moi ça, enfin, je sais pas. Après je regarde mon premier live stream test et tout, mais qu'est-ce qu'il fout là, je me disais. Je regarde le truc, plus de 100 vues, je me suis dit, oh putain, là déjà 100 personnes qui l'ont vu, mais... Et je regarde le truc, 1 heure qui sert à rien et tout, je me dis, oh là là, c'est de la merde. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais ma vidéo a fait beaucoup plus vite ses vues que d'habitude. Et en plus, j'avais 37 gemmes déjà, alors que d'habitude, j'ai pas autant de gemmes sur mes autres vidéos, je sais pas pourquoi. Donc ça m'a vraiment surpris, on va dire. Du coup, je l'ai laissé sur ma chaîne, même si je trouve que cette vidéo n'est pas super bien faite par rapport aux autres. Parce que, je sais pas, 1 heure qui sert à rien et tout. D'ailleurs, j'ai mis un petit lien d'ailleurs pour passer, pour aller directement à la 50e minute pour pas que vous restez planté dans votre écran à regarder ce qui se passe à mon pseudo pendant 1 heure. Donc voilà, donc c'était un petit aparté sur cette vidéo là, parce que je voulais vraiment que je la fasse. Donc voilà, on va passer directement au top 10, parce que y en a qui attendent que ça, ils disent putain mais gosse, mais passe au top 10, vas-y, on s'en rend à foutre de ça là. Vas-y, qu'est-ce que tu nous parles de ça, mec, vas-y, passe au top 10. Donc voilà, donc excusez-moi pour ces minutes comme ça que je devais vraiment prendre le temps. Donc bien sûr, ici ça changera après pour mon top 10, hein, j'y changerai après, je ferai au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer justement en live comment on va pour justement aller dans... trouver ce classement top 10, enfin moi j'appelle ça un top 10, mais ça va juste au moins 3 pages, donc là au moins 50 personnes, voire plus. Donc voilà, alors je vous montre gestionnaire de vidéos les gars, après vous allez dans communauté, donc après vous avez plusieurs rubriques comme ça, vous avez tous vos commentaires qui ont été envoyés tout dernièrement,
Vous avez les messages que quand vous envoyez, par exemple, ça c'est si vous envoyez à une chaîne communautaire votre gameplay, si vous allez dans à propos et tout, envoyer message, ce sera tout là-dedans. Et puis si vous répondez comme ça, voilà, comme CodeCF qui m'avait dit on prend, voilà, et ben ça veut dire que bah, vous êtes pris et tout, ça va se passer sur la chaîne. Donc voilà, ça c'était eux, c'était petit aparté pour vous montrer un peu comment on fait, voilà, pour voir si on vous a répondu ou pas. Donc après, vous allez dans fan, et donc voilà, c'est ici, donc là vous avez toute la liste et tout, c'est pas encore trié, hein. Là c'est, on change le fil. Donc là voilà, vous pouvez voir que là, selon plusieurs personnes, la barre est plus ou moins grosse. Donc après on va trier par participation. Donc, voilà. Je crois, les gars, que en fait, donc là c'est tout bien rangé et tout. Je voulais juste vous dire aussi que ce classement, je le fais peut-être toutes les semaines, mais en fait il prend en compte, je crois, à chaque fois c'est tout le mois entier. Enfin je sais pas combien de temps il prend, mais il prend tout le mois entier. Ça veut dire qu'en fait ceux de la semaine dernière qui étaient premiers, ils ont déjà un avantage sur la deuxième semaine. C'est-à-dire puisque comme ils, en fait ils sont actifs sur le mois, mais moi j'y trie par la semaine. En gros, si par exemple la première semaine t'as été super actif, mais la deuxième un peu moins, t'auras toujours le classement de la première semaine, mais on peut te rattraper. Donc voilà, donc par exemple je montre une personne que j'ai vu super beaucoup active cette semaine, enfin surtout ces trois derniers jours, qui s'appelle voilà Vekoz, que je tiens à faire une dédicace à toi parce que tu n'es pas dans le top 10, mais tu as été vraiment très actif ces derniers jours et ça me fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je voulais vraiment faire une petite aparté sur toi parce que tu le mérites. Et c'est, je suis désolé parce que en plus tu m'avais envoyé un message et tout, ah ouais c'est bon, j'étais super actif cette semaine, j'ai hâte de voir ton top 10 et tout. Et puis là quand je regarde le classement, bah tu n'es pas dans le top 10 et donc c'est vraiment dommage pour toi. Enfin, ça fait vraiment pas plaisir à moi parce que je sais que toi non plus, tu t'attendais vraiment ça d'être dans le top 10. Mais dis-toi que si tu continues comme ça, bah là déjà t'as doublé à peu près une cinquantaine de personnes. Et donc la deuxième semaine, si tu continues envoyer des commentaires, partager tout comme tu l'as fait, bah, tu passeras sûrement dans le top 1 ou top 2, top 3. Je sais pas, mais en tout cas, tu vas être super bien classé. Donc je suis désolé pour cette fois, mais peut-être que la prochaine fois, tu y seras. Après, donc voilà, bon, on va commencer par le top 10. On va commencer par le top 1. Donc FTX Fragger, donc c'était le même que la semaine dernière, je crois. Donc c'est une personne qui est constamment actif, les mecs sont pas vraiment constants. C'est genre une semaine voilà active, ils sont même pas très actifs, donc voilà. Donc on va cliquer sur sa chaîne, on va aller faire un tour, ouais donc je crois que c'était bien promis, ça me fait chaud. Je sais pas si je t'ai fait gagner beaucoup d'abonnés grâce à mon truc, j'espère pour toi, pour la première semaine, tu nous diras ça. Donc voilà, sa chaîne où il fait des vidéos, parce qu'il y en a qui font pas de vidéos mais sont quand même dans le top, comme lui, Nabil. Donc Nabil c'est le numéro 2 qui. C'est une personne qui est super bien les gars. Donc je tiens vraiment à dire que c'est, en fait c'est une personne qui me dit beaucoup de commentaires. Et dans ses commentaires il me donne beaucoup de conseils, de trucs comme ça, qui m'aident vraiment à progresser sur YouTube et ça je le remercie vraiment beaucoup. Ça c'est un super bon abonné. Super, voilà, je vais y arriver, super bon abonné. Voilà. C'est ça, avec ça. C'est comme ça qu'on doit le dire. Excusez-moi, je suis complètement côté. Voilà, vraiment merci à lui. Après, Lucas Pedro, donc lui c'est un super bon abonné aussi, pareil. Il fait pas de vidéo non plus, donc il est souvent dans mon top 10. Enfin, ça fait déjà 3 fois qu'il y est, je crois. Donc c'est vraiment une personne qui est vraiment active et tout. Donc voilà, merci à cette personne. Fox Player, c'est pareil, dans le top 10 depuis un sacré moment. Donc voilà, je vais faire une petite aparté aussi sur ça. En fait, c'est un ancien GFX, c'est mon GFX perso maintenant. Il fait vraiment des super belles bannières. Si vous voulez, ça il fait peut-être en même pas une heure. Et franchement, il gère. Ça, c'était un truc pour la face qu'il avait fait. Il a fait un truc, enfin il m'a fait aussi ma bannière, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il m'a fait ma bannière. Il en a fait encore une autre aussi qui est super jolie de bannière, peut-être que je vous montrerai à la fin, si la vidéo n'est pas trop longue. Donc il en a fait plein, il en a fait une pour Sergent Alex et tout, il va en faire une pour les abonnés qui étaient dans le top 10 aussi. Donc ce sera avec lui qu'il fera voir, donc je vous mettrai, faudra que vous me demandez sur Skype et tout, dans les commentaires, pour si vous avez besoin d'un truc comme ça, si vous êtes dans le top 10, de toute façon je ferai tout. Donc si vous avez besoin d'un truc, vous me demandez sur
en commentaire, vous me donnerez mon Skype et tout, et puis on fera une convo avec Fox et tout, vous ferez ce que vous voulez. Donc voilà. Après, Ilias. Donc lui pareil, il était dans le top 10, c'est une personne qui aurait fait une vidéo qui n'a pas de. Qui n'en fait pas. Lui c'est surtout un profil, ce n'est pas vraiment une chaîne. Enfin c'est une chaîne mais c'est plutôt forme de profil. Donc voilà. Après. Oh là là, voilà, petit 01. Donc lui, bah. Il a combien d'abonnés après 2049, putain. Je suis sûr qu'il est passé sur une chaîne communautaire, ce salopard. C'est une sorte de petit concurrent à moi que j'ai, qui est super sympa, on rigole vraiment beaucoup ensemble, il a la PS4 et tout, on joue souvent ensemble. Et voilà, donc ça me fait plaisir de montrer sa chaîne encore une fois. Et ça fait vraiment, voilà, c'est un bon pote, donc voilà. C'est pas parce que c'est un bon pote que je vais le montrer dans le top 10, c'est juste qu'il est super actif. Voilà. Je fais des vidéos, des séries, voilà, c'est des, voilà. Il fait du bon gameplay, à la base c'est un commentateur de la OPFR. Si vous connaissez OPFR ou si vous connaissez pas, c'est une team performance sur Call of, un peu comme la Noyourage mais un peu moins connue. Enfin, ils ont, je sais plus, 3000 abonnés, un truc comme ça, parce qu'ils viennent de commencer. Et alors que nous, on a 63 000 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Franchement, je pense que ça peut vous plaire. Voilà. Alors attendez, il faut que je compte. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on s'arrête à Days. Non, je crois que j'ai cliqué, non, c'est... Donc, Evasure Gaming. Donc voilà, lui, ouais, il a une chaîne YouTube parce qu'il a mis en ligne ses vidéos. Par contre, moi je suis pas très fan de comment est mise sa chaîne en avant. Enfin, je sais pas comment vous dire, comment l'illustration de sa chaîne est faite, j'aime pas comme ça. Moi, je préfère faire des playlists et tout, ça bien trié et tout. Les gens ils ont pas cherché pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, donc je sais pas combien il y a d'abonnés, il en a 58 parce qu'avec moi c'est 58. Donc voilà. Après, donc on était à Requin. Requin, bah c'est un super abonné, pareil, ce qui commente souvent. Tiens, j'ai une petite notification, enfin je vais voir. Donc voilà, lui, est-ce qu'il fait des vidéos? Ouais, il fait surtout sur du League of Legends, je vois. Je connais pas, puis ça, je sais plus, avec son intro, un truc comme ça. Voilà, bon, il a dû commencer. Ouais, en fait, il fait plus de vidéos. En fait, ça fait 4 mois, 20 vues. Putain, il fait pas super beaucoup de vues. Si mon 22, ouais. Donc voilà, mais bon, c'est un super abonné. Donc voilà, Gwendal. Ouais, alors, c'est pareil, c'est un abonné qui a plutôt une forme de profil, sa chaîne. Tout, hein. Donc, encore merci à lui. Donc, voilà. Après, et le dernier, le top 10, donc c'est Days One. Donc il a pas de. Enfin, je vais m'abonner, il n'avait pas d'abonnés, je suis son premier même s'il fait pas de vidéos. C'est une personne qui aime les vidéos pareil et qui prend plus plaisir à regarder des vidéos que en faire, donc voilà. J'aime bien ce type de personne. Après, donc voilà, bon, ça s'arrête là pour le top 10. Donc je voulais dire aussi, voilà, voilà, Sergent Alex, pareil, il est pas dans le top 10, mais je voulais juste montrer un peu sa chaîne, parce que j'ai une sorte de partenariat un peu avec lui, donc ça me fait plaisir de lui montrer sa chaîne. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit top 10 abonnés. Donc, si vous êtes pas dedans, c'est pas bien grave, les gars, donc si vous participez la prochaine semaine, je suis sûr que ça va vous augmenter dans le classement, etc., donc... je vous souhaite vraiment de bonnes chances et tout. Donc tous ceux qui sont dans le top 10, je les remercie vraiment. Ceux qui sont pas ou qui sont pas loin, je vous dis peut-être la prochaine sera la bonne. Mais je sais vraiment que vous participez et tout, que ça me fait vraiment du mal de pas vous mettre dans le top 10. Donc c'est pour ça que peut-être pour le mois prochain, comme ce sera le mois, ce sera pas la semaine, je ferai peut-être un top 15, un truc comme ça, pour qu'il y ait plus de monde dedans. Après c'est vrai que ma subbox après elle devient vraiment super grande. Voilà, vous voyez tout ce que j'ai là. Là, je suis obligé de mettre C4 là. Non, C5 là. Même C6. Parce que là, il y a en fait ma team. Là, c'est code QG. Quand on voit un clip à code QG pour être mieux accepté, faut mettre dans la subbox. Code CFC, pareil. Sergent Alex, c'est une sorte de partenariat avec lui. Lui, c'est mon commentateur de la Noyourage qui commente quasiment toutes mes vidéos. La Noyourage. Puis on fait après des vidéos perso pour nos chaînes. Lui c'est une sorte d'entraide YouTube qu'on se fait, il a plus de 1000 abonnés et tout, donc allez voir sa chaîne et tout, regardez, il y a une petite bannière animée.
Maintenant on peut plus hein, on peut plus mettre de bannière animée sur sa chaîne et tout. Avant on pouvait et tout, mais maintenant ça a été supprimé, on peut plus mettre de fichiers GIF et tout. Et donc le top 10 abonnés commence jusqu'à là. Enfin il va jusqu'à là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10ème était là. Parce que Sergent Alex il était dans mon top 10 la dernière fois, donc je l'avais laissé là en avant. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je sais que c'est un peu long de regarder un écran et tout, de m'écouter commenter, surtout quand je suis complètement pété. Donc voilà. Donc j'espère que prendrait plaisir à mettre un commentaire, un petit j'aime et tout, à continuer à être aussi actif sur ma chaîne grâce à ce projet. Donc les gars, je vous dis ciao tout le monde.